Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau décor, je suis à Paris. Demain, je pars en vol. Je pars à Pointe-à-Pitre pour 2 jours. J'espère qu'il va faire beau. Profiter du soleil, puisque là, ces derniers temps, il faisait un petit peu moche à Berlin. À Paris, il fait pas très très beau. Donc, si je peux profiter de 48 heures de soleil, ce serait vraiment cool. Là, je viens juste d'arriver à mon hôtel, mais comme je dois monter cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai posé mes affaires et j'ai enclenché la caméra. J'avais une toute autre idée de vidéo et puis ce matin, j'ai appris une mauvaise nouvelle et je me suis dit que finalement, j'allais vous parler de ça. Alors cette vidéo, en tout cas le thème de cette vidéo n'était pas prévu et je me suis dit que j'avais envie de parler de ça. Donc ce matin j'ai appris le décès de quelqu'un et c'est vrai que ça m'a touchée, ça m'a énormément touchée parce que, alors ce serait vous mentir que de vous dire que c'était... quelqu'un d'hyper proche, qu'on s'appelait, tout ça, pas du tout. Mais c'était quelqu'un que je voyais pas souvent. Mais je sais pas si vous avez quelqu'un comme ça, quelqu'un que vous voyez pas souvent. Mais quand vous voyez cette personne, vous passez un vraiment très bon moment. Vous êtes vraiment contente de voir cette personne. Et vous restez des heures à parler parce que justement, vous voyez pas souvent. Et que vous aimez beaucoup la compagnie de cette personne. Et cette personne qui est partie, c'était ça. On se voyait pas beaucoup. Mais quand on se voyait, on parlait pour rattraper tout ce temps où on s'était pas vu. Et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Beaucoup. Et pourtant, c'était pas quelqu'un de mon cercle d'amis. Mais comme quoi, des fois, on peut apprécier des gens qui sont pas directement liés à notre cercle d'amis. Mais voilà. Avec qui on aime passer du temps quand on se voit, c'est voilà. Et c'est vrai que j'ai eu envie plutôt de parler de ça. J'aurais pu quand même faire le sujet que j'avais envie de faire et puis ne pas du tout vous parler de ça. Mais je crois que ça m'a tellement touchée parce que je m'y attendais pas. C'était quelqu'un de jeune et en fait, même si on le sait, même si on sait que la vie est courte, on a tellement tendance à repousser les choses, à se dire qu'on aura le temps. Et en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. En fait, le temps, c'est la seule chose qu'on ne gère pas et on fait comme si on pouvait le gérer. Et c'est dingue parce qu'on le sait. Tout le monde le sait. Je vous apprends rien en vous disant ça. Mais je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Par exemple, vous deviez appeler votre maman et vous dites « Oh, je vais l'appeler après ». Ou vous deviez voir quelqu'un que vous aimez et vous vous dites oh, j'ai pas envie, je vais rester devant Netflix et on se verra une autre fois. Et en fait, et s'il n'y avait pas d'autre fois? Et le truc, c'est que la mort, c'est pas une question d'âge. Ce serait trop simple si le processus de la vie, c'était on vit longtemps et puis à un certain âge, à partir d'un certain âge, on part. Et en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas du tout ça. Alors, j'ai pas envie de plomber l'ambiance et j'ai pas envie que vous disiez, ouais, elle joue les moralisatrices et on n'a pas envie d'entendre ça et tout ça. Mais je crois que sur mes réseaux, j'ai envie d'être honnête avec vous. Et je suis très souvent, plus que souvent, voire majoritairement, de bonne humeur et... Et je suis de bonne humeur, c'est-à-dire, vous avez trouvé ça bizarre, mais c'était une personne, cette personne qui est partie, c'est une personne qui était tout le temps souriante, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même si c'est hyper triste de savoir qu'elle est partie, j'ai envie d'honorer sa mémoire quand même en gardant le sourire, parce que la dernière fois que j'ai vu, on a rigolé, on a parlé. On a parlé de nos vies, de ses projets, de mes projets, de ce qui se passait de notre côté. Et elle avait tout le temps le sourire, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc, j'ai envie de garder ça en tête, mais c'est vrai que ça me rappelle que on gère rien en fait, on gère rien et cette année est assez particulière et très très particulière même. Et j'ai vraiment envie qu'elle nous aide à relativiser plein de choses, à prendre le recul sur plein de choses et surtout à réaliser la chance qu'on a déjà d'être là, parce qu'il y en a qui partent. Et surtout, ne plus perdre de temps pour des futilités. Ne plus perdre de temps à se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Vraiment mettre son énergie dans les choses qui comptent. Je crois que cette vidéo, c'est surtout pour ça, pour vous dire que mettez votre énergie pour des choses qui comptent, des choses qui pour vous, vous apportent quelque chose de bien. Et les gens que vous aimez, votre travail, si c'est votre travail, même si quand vous partirez, ben, le travail, il sera toujours là. Donc voilà, je crois que les gens qu'on aime méritent qu'on passe du temps avec eux. Et qu'on leur dise surtout, qu'on leur dise qu'on les aime et qu'on n'attende pas qu'il soit trop tard. C'est vrai qu'il y a une génération, surtout la génération avant nous, qui est très pudique. Et c'est l'éducation qui fait ça. Mes grands-parents, mes parents, c'était pas des gens qui avaient été éduqués en se disant je t'aime, en se serrant dans les bras l'un de l'autre. Et avec le temps, ça a changé. Et je pense que c'est ma génération, la génération d'après, qui a fait que il y a eu une évolution de mentalité et qu'au contraire, maintenant, on se dit je t'aime, on se prend dans les bras les uns les autres. Et je pense que c'est important de ne pas attendre. De ne pas attendre. On n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps. Alors l'idée, c'est pas d'aller plus vite que la musique non plus, mais de profiter de chaque instant, vraiment. Et de voir tous les petits bonheurs où ils sont. Parce qu'ils sont là, même dans des fois des moments où on se dit, putain, ça fait chier. Mais si on regarde bien, je suis sûre qu'à un moment, il y a eu quand même un petit bonheur. Et donc voilà, donc cette vidéo aujourd'hui ce sera ça, pour vous rappeler qu'il y a des choses très très importantes qui sont là, maintenant et pas demain. On maîtrise pas demain, on maîtrise vraiment pas demain. Et donc voilà, donc je vais garder le smile, j'ai gardé le smile en l'honneur de cette personne. Et voilà, donc c'est pas une vidéo marrante, c'est pas une vidéo... Mais c'est une vidéo importante. Voilà. Donc j'espère que vous comprendrez cette vidéo, que voilà, ça fait partie de la vie, malheureusement. Et je vous dis à demain. You were the other half of my heart.